Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une séance full body, donc dans lequel on va travailler tous les muscles du corps, que ce soit les abdos, que ce soit les pecs, les cuisses, bref, on travaillera tout. On fera le training sur 5 minutes, il y aura 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération, le tout sur 5 exercices. Si la séance a été trop facile pour vous, vous pouvez refaire une deuxième fois la séance en relançant la vidéo autant de fois que vous le souhaitez. En général, vous verrez une seule fois déjà ça commence à piquer, deux fois ça va être un peu plus dur. Bien évidemment, n'ayez crainte, cher ami, il y en aura pour tous les niveaux. Donc, je vais donner des variantes, je donnerai votre exercice et ensuite je mettrai des variantes pour complexifier l'exercice ou pour le simplifier. Donc, n'ayez pas peur, il y en aura pour tous les niveaux. Allez, c'est parti pour la séance, amusez-vous bien. Alors, je vous montre le premier exercice et ensuite je lancerai le chrono. Donc, on mettra, ça sera une sorte de mountain climber. Ouais, super accent. On va mettre les deux mains donc à ce niveau-là, au niveau des épaules. On va amener les pieds en arrière et il faudra effectuer un tout petit saut pour amener les pieds au niveau donc des pectoraux, donc juste en dessous, ici, et on ramène. D'accord? Hop là, hop là. Donc, on est ici. Je remonte, on amène les pieds à ce niveau-là et on les ramène en arrière. On les ramène et on les éloigne. Si vous avez assez de patates et assez de mobilité, vous pouvez essayer de les ramener entre les deux mains. Sinon, hop là, on les ramène juste ici. Si c'est trop dur, pas de problème. On peut même être sur les genoux, hop, et on amène les pieds à ce niveau-là. Sur les genoux, hop, on amène les pieds à l'intérieur. Hop, et voilà. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti, on va démarrer la séance. Je démarre le chrono. Donc pour 45 secondes d'exercice. 2, 1, top. Allez, c'est parti. Voilà, passez quand vous revenez. Donc en position comme ceci, en position de gainage, être bien droit. Épaules, bassin et talons alignés. Allez. Je vous rappelle, si c'est trop dur. On est sur les genoux et on ramène les jambes. Voilà, parfait. Très bien. Allez, on continue. Passez à bien souffler. Voilà, très bien, parfait. Ah yes, parfait. Prochain exercice, ça va être le ours squat. C'est-à-dire qu'on se met bien en appui, comme ceci. Et là, on va juste descendre les cuisses. On remonte, on descend les cuisses. On remonte, on descend les genoux. Voilà, parfait. Allez, on continue. Si c'est trop dur, posez les genoux au sol et on remonte. Posez les genoux au sol et on remonte. Allez. Et pour les niveaux un peu plus avancés, vous essayez de toujours rester donc dans la phase de contraction. Donc on ne descend pas complètement et on ne tend pas les jambes pour les plus experts. Voilà, donc comme ceci, si c'est trop dur, posez les genoux. Ok, parfait. Maintenant, le prochain exercice, ça va être la planche à plat. D'ailleurs, hop, j'avais oublié un petit truc. On va enlever le t-shirt qui commence à faire chaud. Donc la planche avec la X-plan. On garde les jambes tendues et on va aller amener le pied au niveau de la main. C'est de relever si c'est trop dur. On fait avec les genoux. Hop là. Et bien sûr, quand on fait avec les genoux, si vous faites avec les genoux, donc comme ceci, pour un niveau plutôt débutant, essayez de relever un petit peu les épaules. Hop là. On relève les épaules. Je ne veux pas avoir ça. D'accord? On relève un peu les épaules. Hop là. Même vous pouvez essayer d'aller toucher le coude si vous le faites. Allez. Et les niveaux un peu plus experts, on relève donc les jambes. On essaie de garder les jambes tendues. Allez, parfait. Très bien. On passe à garder les lombaires collés au sol. Ok, parfait, très bien. Allez, prochain exercice. Je vais monter peut-être un petit peu la caméra. Hop là.
Donc ça va être des petits sauts. On saute en avant, pieds joints, et on revient en arrière, tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, donc le but là, c'est juste d'essayer d'avoir un rythme assez soutenu, assez rapide, pour faire monter le cardio. Voilà, on passe à bien respirer. Voilà, génial. Jusqu'au bout, on continue. C'est l'avant-dernier exercice. Ok, parfait. Très bien. Maintenant, on va revenir au sol. Et là, ça va être donc des pompes. D'accord ? Donc, pompes sur les genoux ou sur les pieds. Et le but, ça sera de faire une pompe et d'avancer. Une pompe. Et on recule, une pompe et on avance, une pompe et on recule, et ainsi de suite. Sur les genoux, si c'est trop dur, hop là, même chose, hop là et on avance. Voilà, parfait. Une pompe et on avance. Voilà, si c'est trop facile, n'hésitez pas donc à vous mettre sur les pieds. Je rappelle, que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, on a toujours les épaules et le bassin bien alignés. Et c'est uniquement les bras qui font le mouvement et pas tout le corps. Hop là. Et voilà, parfait. Alors, on va juste apprendre un tout petit peu. Alors, je vais éteindre le chrono. Voilà, parfait. Vous avez terminé la séance. Donc, si c'était trop facile, vous pouvez refaire un tour. Même voir un troisième, d'accord, ça c'est une séance, en général sur 15 minutes, ça peut passer pour les un peu plus expérimentés, sinon une séance pour les débutants, il n'y a pas de problème, ça va passer. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un like juste en dessous et aussi à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous arrivez à trouver des améliorations au fur et à mesure des séances. Ça me fait énormément plaisir d'avoir tous vos retours, un commentaire ou souvent un message privé. Merci beaucoup. Je fais tout ça pour vous. Allez, bon courage, gardez la forme et à très vite pour une prochaine vidéo.